Bérate El-Madeleine. Bérate El-Madeleine, bonjour Grégory. Bonjour Philippe. Grégory qui représente eh bien un membre du comité des jeunes bourgeois. Et sa fonction à lui, c'est justement de s'occuper du côté artistique. Oh là, grosse responsabilité. Oui, oui, grand stress, grande préparation aussi. Et puis après, on verra si tout est au point le jour où les artistes et où l'harmonie se présenteront devant nous au kiosque et devant vous, surtout très chers auditeurs. Alors, Bérate El-Madeleine, c'est un slogan, c'est tous un autocollant. Et puis on va parler de Bérate El-Madeleine et du dimanche 20, parce que là au niveau des festivités vous êtes déjà bien chargé. Évidemment il y a le tour de la Madeleine le dimanche 20, mais à partir de 20h30 on parle de concert. Oui, on parle de concert, on parle d'une harmonie qui vous présentera un spectacle et des musiques variées tels que Jacques Brel, Abba, Claude Nougaro, mais également quelques marches, puisque bien évidemment la Madeleine, ben c'est un nombre important de marches militaires. Donc voilà, ils seront présents sur le kiosque dès 20h30, puisque oui, la Madeleine commence très tôt le matin, mais finit très tard le soir également. D'accord, donc ça se fait et uniquement sur la place Franck. Uniquement sur la place Franck à Jumet, oui. Alors évidemment, donc là on est parti à partir de 20h30 pour ce concert, et le timing, plus ou moins combien de temps? 1h30 plus ou moins, vers jusqu'à 22h. 22h. Lundi 21 juillet, 22h30. Sur le podium, eh bien là de la place Franck, vous aurez une artiste qui était présente à The Voice. Tout à fait, elle était demi-finaliste en 2013 à l'émission The Voice. Alors je vais essayer de le prononcer correctement, hein, Grégory. Loredana Castiglia. Très bien. Ouais. D'accord. Alors Loredana Castiglia, 22h30, ça se passe donc sur la place Franck, sur le grand podium évidemment, sur le kiosque. Elle est partie pour un show de combien de temps, Loredana? Elle fera un show de 1h, 1h15, avec des tubes, des reprises énormes de U2, de Adele, d'Anastasia. Ça va péter. Ça va finir un lundi qui a commencé très tôt. On va finir un lundi de façon magistrale aussi sur le kiosque, mais comme tous les autres jours. Voilà, on vous rappelle donc le dimanche, premier événement donc à partir de 20h30, le concert par l'Harmonie Royale, c'est bien cela? C'est bien cela. Et puis on parle du lundi 21, donc à partir de 22h30, là ça va péter. Cover, hein, c'est le cas de le dire, c'est du cover. Loredana Castiglia sera présente sur le podium. Grégory, on se fixe rendez-vous demain pour parler eh bien de cette célèbre fête de la Madeleine, et puis le tour de la Madeleine, ce n'est pas la marche, mais c'est le tour de la Madeleine avec des marcheurs. À demain Grégory. À demain et bonne journée. À demain, au revoir. Du 18 au 24 juillet, ce sont les festivités de la Madeleine à Jumet. Animation non-stop avec plus de 40 attractions foraines pour vous décoiffer. Concert 100% belge et gratuit chaque soir avec en vedette Loredana Castiglia, Les Gaufres, Le Grand Jojo et la compagnie Picole. Sans oublier le départ du Tour de la Madeleine le dimanche 20 dès 5h avec plus de 2000 marcheurs, 150 cavaliers, 50 fanfares et batteries. En clôture le jeudi 24, retraite au flambeau et grand feu d'artifice. Info sur madeleine.be. Les festivités de la Madeleine. Du 18 au 24 juillet, en partenariat avec Ramdam Music. Bérate El-Madeleine, et avec nous pour en parler, eh bien nous avons un membre du comité des jeunes bourgeois. Grégory, bonjour. Bonjour. Ça fait un peu péteux, hein, les jeunes bourgeois. Oh, pas autant que les clins bien. Oh, là, c'est vrai. Vous buvez du champagne? On boit de tout. D'accord, vous buvez de tout. Alors, évidemment, Bérate El-Madeleine, hier, on a eu l'occasion eh bien, de parler du programme du dimanche avec le concert par l'Harmonie Royale. On a eu l'occasion de parler du lundi 21 avec, évidemment, le concert de Loredana Castiglia. Et puis là, on arrive maintenant au mardi 22 juillet. Comment s'est porté votre choix sur les gosses? Eh bien, tout simplement, ils ont leur tournée de 20 ans cette année-ci. On voulait un retour à Jumet. On a eu l'occasion, toutes et tous, d'entendre leurs chansons qu'ils ont fait pour notre très cher Diable Rouge. Et puis bon, ben voilà, les Gaufres, ça reste les Gaufres. Et je pense que sur notre kiosque jumetois, on ne pouvait accueillir qu'un tel groupe. Et d'une telle importance aussi pour nous les Wallons. Voilà, vous voulez faire du bruit, vous voulez justement vibrer au son eh bien, des festivités de la Madeleine. C'est à partir de 21h30 que les Gaufres seront sur le kiosque à la place Franck. Je vous rappelle également un point de repère pour obtenir toutes les informations sur le programme détaillé de la Madeleine. Eh bien, vous avez le site officiel www.madeleine.be. www.madeleine.be. Chers jeunes bourgeois, on se fixe rendez-vous demain, Grégory? Oui, ok, pas trop. Bérate El-Madeleine, hein. Bérate El-Madeleine. À demain. À demain. À demain, au revoir.
Du 18 au 24 juillet, ce sont les festivités de la Madeleine à Jumet. Animation non-stop avec plus de 40 attractions foraines pour vous décoiffer. Concert 100% belge et gratuit chaque soir avec en vedette Loredana Castiglia, Les Gaufres, Le Grand Jojo et la compagnie Picole. Sans oublier le départ du Tour de la Madeleine le dimanche 20 dès 5h avec plus de 2000 marcheurs, 150 cavaliers, 50 fanfares et batteries. En clôture le jeudi 24, retraite au flambeau et grand feu d'artifice. Info sur madeleine.be. Les festivités de la Madeleine, du 18 au 24 juillet, en partenariat avec Ramdam Music. Bérat et le Madeleine, Bérat et le Madeleine, les jeunes bourgeois sont là, il y en a qu'un d'ailleurs. On commence à fatiguer. Alors Grégory, la question que j'ai envie de savoir, où sont les autres jeunes bourgeois? En préparation. Kiosque, montage forain. Oui, d'accord, Bérat et le Madeleine. À l'apéro, quoi. À l'apéro, on a parlé du dimanche 20 avec le concert, donc le dimanche 20 à partir de 20h30 du concert par l'Harmonie Royale. On a parlé du lundi 21 avec le concert de Loredana Castiglia. On a parlé bien du mardi 22 avec les Gaufres. Et ici, attention, le grand Jojo. Le grand Jojo. De fait. Alors, comment s'est passé justement les contacts, puisque forcément il était fort demandé en cette période de mondial. Il était fort demandé, mais on a pris contact avec lui, il faut le savoir, avant que les Diables soient qualifiés pour la Coupe du Monde. Ouais. Donc on a eu la chance de l'avoir moins cher. Déjà. Oui, parce qu'il faut assurer sa retraite. Hein. Oui. Donc on a pris contact très très rapidement. C'était en octobre, en novembre, avec son impresario. Donc voilà, ça nous a permis de signer le contrat facilement, puisqu'il a été fort pris ici par les événements que tout le monde connaît. Donc voilà, c'est clair que sur le kiosque, avoir le grand Jojo, c'est du pur bonheur. D'autant plus le mercredi, qui est quand même une des journées les plus festives pour nous, les bourgeois de la jeunesse. Donc voilà, sais-tu... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que c'est une journée plus festive pour vous, les bourgeois de la jeunesse? On commence tôt. On se lâche? On se lâche un petit peu. On se lâche un petit peu le mercredi. Le comité se lâche? Oui, on peut dire ça. Ah bon? Je pensais que vous restiez sérieux tout le temps. On essaye, mais bon. Ah d'accord, vous n'êtes pas aussi sérieux que les Climbiers alors? Je ne sais pas. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, là, on est à mercredi. Donc, mercredi 23, à partir de 21h30, le grand Jojo sera sur le kiosque Place Franck. Plus d'informations sur le programme détaillé des festivités de la Madeleine 2014. C'est www.madeleine.be. www.madeleine.be. Grégory, on se fixe rencard demain? Oui, tout à fait. Hein. Bérat et le Madeleine? Bérat et le Madeleine. Elle à se demain. Termine. Salut, au revoir. À demain. Du 18 au 24 juillet, ce sont les festivités de la Madeleine à Jumet. Animation non-stop avec plus de 40 attractions foraines pour vous décoiffer. Concert 100% belge et gratuit chaque soir avec en vedette Loredana Castiglia, Les Gaufres, Le Grand Jojo et la compagnie Picole. Sans oublier le départ du Tour de la Madeleine le dimanche 20 dès 5h avec plus de 2000 marcheurs, 150 cavaliers, 50 fanfares et batteries. En clôture le jeudi 24, retraite au flambeau et grand feu d'artifice. Info sur madeleine.be. Les festivités de la Madeleine, du 18 au 24 juillet, en partenariat avec Ramdam Music. Bérat et le Madeleine, bonjour Grégory, le jeune bourgeois. Bonjour Philippe Leclin, bien. Fallait pas le dire, moi je suis animateur radio ici, je suis pas Climbia. Excuse-moi. Bon alors, bonsoir, il y a personne qui l'a entendu, il y a personne qui écoute Ramdam. Alors Grégory, on a fait déjà pas mal de tours, c'est le cas de le dire, le tour du programme, le tour de la Madeleine, le tour des festivités. On est là justement pour parler du côté people, et là, hier on a eu l'occasion de parler du grand Jojo, et aujourd'hui, nous allons parler d'un groupe assez spécial. Quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, mais pourquoi ont-ils fait venir ce groupe, or qu'il y a quand même des gens qui picolent à Jumet en période de Madeleine, et ça aurait été gratos. La compagnie Picole, donc, c'est ce jeudi à partir de 20h30. Qu'est-ce que la compagnie Picole? La compagnie Picole, c'est un... À boire. Ça, on n'est pas loin. D'accord. Mais c'est un groupe namurois, juste pour présenter un petit peu. Il y a dans le groupe l'abbé Bière, d'accord. Sylvester Saloon. Oui. Shérif Roussos. Voilà un peu ce qui compose leur superbe groupe, parce qu'il faut les voir sur scène. Nous, on les a déjà eus à Jumet. Ce sont des personnes qui sont extrêmement sympathiques, qui adore faire la fête, sinon le nom du groupe n'aurait pas lieu d'être.
Et puis bon, voilà, ils reprennent des morceaux d'Annie Cordy, de Sandra Kim, d'Indochine, mais qui sont refaits à leur manière. Ils aiment la vie. Ils aiment la vie. Ils aiment la vie. D'accord, mais ok, d'accord. Ce n'est pas un cover, faut bien savoir, c'est des reprises où eux s'amusent et remettent les paroles. Bon, la compagnie Picole, donc, c'est donc ce jeudi à partir de 20h30 et puis là, 22h45. Attention, attention, attention. La retraite au flambeau, très important. Et puis, je me souviens d'un reportage qui avait été réalisé l'année dernière par Élie Piron. Une question avait été posée à Jean-Philippe Promont. Pourquoi le feu d'artifice a lieu à 23h59? Alors, je te pose la question à toi. Pourquoi à 23h59, le feu d'artifice? Eh bien, je pense que j'ai la même réponse que mon ami et compagnon chez les bourgeois de la jeunesse. Le feu d'artifice à 23h59, eh bien, question d'avion, mais aussi, si on le faisait à minuit, on aurait dû passer au vendredi 25 juillet. Bravo! C'était celle-là! Voilà. C'était pas une question d'avion, c'était une question qu'alors, on prolongeait la Madeleine d'un jour, quoi. Même si on prolonge la fête d'un ou deux jours. Mais d'accord, bon. Ok. Voilà. Mesdames et messieurs, prenez la direction, donc, bien de Jumet, donc la Madeleine, évidemment, le tour de la Madeleine, et puis les festivités de la Madeleine. Et puis, si vous avez loupé quelque chose dans toutes les informations qu'on a parlé de la Madeleine cette semaine-ci sur Ramda Musique, c'est vrai qu'on a saturé un maximum la Madeleine. Hein. Bérat est le fan de la Madeleine déjà, parce que bon, on sature. Vous avez un site internet de référence qui est www.madeleine.be. www.madeleine.be. Alors, comme on dit, eh bien, Grégory, eh bien, bonne Madeleine. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et à l'année prochaine, au revoir. À l'année prochaine, au revoir. Du 18 au 24 juillet, ce sont les festivités de la Madeleine à Jumet. Animation non-stop avec plus de 40 attractions foraines pour vous décoiffer. Concert 100% belge et gratuit chaque soir avec en vedette Loredana Castiglia, Les Gaufres, Le Grand Jojo et la compagnie Picole. Sans oublier le départ du Tour de la Madeleine le dimanche 20 dès 5h avec plus de 2000 marcheurs, 150 cavaliers, 50 fanfares et batteries. En clôture le jeudi 24, retraite au flambeau et grand feu d'artifice. Info sur madeleine.be. Les festivités de la Madeleine du 18 au 24 juillet en partenariat avec Ramdam Music.